Ok, donc eh ben, nous nous retrouvons à l'épisode 11, si je ne m'abuse. Nous nous étions quittés sur un épisode où on avait très très bien progressé. Excusez-moi, je suis redescendu rapidement au rez-de-chaussée de chez moi, donc. On va savoir s'il y a quelqu'un ici qu'on doit encore buter. Donc on avait fini sur un épisode un peu sanglant et 2600 d'expérience. Donc je rappelle un petit peu ce qui s'est passé, si vous voulez. Notre enquête au camp des bandits nous a amené donc à un certain Endersay, c'est ça, qui nous a dit qu'il y avait ben le Voilà, qu'il fallait qu'on se dirige vers Bois-Manteau. Ce que l'on a fait, donc Bois-Manteau s'est découvert sur la carte et puis on a pu y aller. Et à Bois-Manteau, on s'est retrouvé ici, devant cette cabane de chasseurs. Et on a dû faire un choix qui nous a mené, dès le premier coup, en fait, à 2600 d'expérience, cadeau. Et puis c'est tout. Puis on s'était quitté là. Non, et puis il n'y avait rien donc dans la cabane de chasseur. Au niveau armure, on est plus que correct. D'accord, attendez. Je viens de voir un truc. Ok, je sais pas pourquoi elle est passée au corps à corps, mais. Une araignée, on a des araignées. Okay. Merde, elle est empoisonnée. Ah oui, on a des sortes de protection contre le mal aussi. On n'a rien pour la soigner, quoi. On va essayer de la soigner, mais on va encore nous bouffer toutes nos potions de. Vraiment rien d'antidote quoi. On aurait dû garder 2-3 antidotes sur nous. Ah c'est bon, allez Sony. Bon. Voilà. C'est fait. Ok, donc il y a ce pont qui nous mène ici. À mon avis, ça doit nous mener sur le restant de la carte. Quoi qu'il en soit, on va se diriger ici. On va découvrir toute cette carte. Comme ça, ce sera fait. Toujours, je garde toujours un œil sur le chat en bas. Prenons la direction de l'absurde. Je me fais attaquer par des loups. On est d'accord. Bon,
Ils vont attaquer tout seuls. On va faire une sieste quand même. Vache, 650 d'expérience pour avoir buté deux loups. Et si on continue à avoir autant d'expérience comme ça, les niveaux, on va les enchaîner quoi. Ah ouais, il n'y a plus que 1500 déjà pour que Viconia elle passe au niveau suivant. Notre héros 2700. Bon, Imolène, il lui faut encore 300, donc 300, 100 exactement. 300, 100. Ici, il nous faut pareil, à peu près. Ici, il nous manque 1700 d'XP. Ok. Petite sieste. Petite sauvegarde bien méritée. Bon, visiblement, il n'y a rien. C'est l'inconvénient d'être avec une neutre. Enfin, encore, ce sont les deux neutres. Alors, ils sont. Il y en a une neutre mauvais, une autre et un autre neutre loyal. Ça va se friter un petit peu, mais l'écart est pas encore énorme, donc ça va pas plomber l'ambiance du groupe. Mais si par contre on a quelque part un déloyal mauvais, je sais plus comment ça s'appelle, mais qu'on l'a longtemps dans le groupe, ça va finir par faire des tensions dans le groupe en fait, et il va y avoir des problèmes. C'était le cas notamment si on avait gardé vous savez, les deux nécromanciens au départ. Si on les avait gardés, Jaira en aurait eu pris plein la tête au bout d'un moment. Et puis elle se serait barrée. Ok, ça je sais pas ce que c'est. Des Tasloy. Ok. Ils sont nombreux. Et ils tapent fort. Ok. Bon, il y avait une petite tribu ici, pas grand chose de. Pas grand chose de bien intéressant.
qu'ils peuvent passer ici. Ok, par contre, il rapportait que dalle en expérience. Occupez-vous de l'autre pendant que l'autre dort. Ok, c'est nickel. On va faire une petite pause healing après, hein, parce que... C'est bien gentil tout ça, mais... Bon, ok, visiblement, faut prendre le pont. Hein. On s'approche pas de ça. Enfin, on va s'en approcher, mais on va sauvegarder, on va se mettre en état avant. Ok, qui est bien blessé? Lui et Jaira, tu vas soigner Imolène. C'est un joli prénom, je trouve, Imolène. J'appellerai pas ma fille comme ça, mais. Ok, de nuit, pas forcément une bonne idée, mais on va le faire. Je me suis fait buter par un ours, j'ai pas eu le temps d'utiliser mon sort du sang. On va la retenter quand même. C'est parce que j'ai pas. Faut que je pense à la barre espace. Ok, ce coup-ci c'est une moyenne qui prend cher. Bah si. Non, on laisse tomber. Pour les ours sobras, c'est un peu trop hard. Pourtant, il n'y en a qu'un. Bon. Attendez, je pense à un truc. Ouais, bien sûr, on ne peut plus mettre personne. On n'a plus de flèches. On n'a que dalle. On est à la rue. Ok, 420 d'expérience, ça vaut le coup. De la chasse à l'ours. Non, 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 non. Ils sont passés où les deux autres ours? Bon, ok, les deux autres sont barrés. Bon, on va vite fait aller voir ce qu'il y a là-bas. Mais tout le reste est exploré. Il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter.
Ok. C'est vrai qu'en même temps, parce que je viens de voir dans le chat, mais moi je dis souvent Imolène et en fait c'est Imoen que ça s'appelle. Allez. Une petite dernière. Et j'ai ratentillé. Impossible de se reposer maintenant? Pourquoi? Il y a des cas. Il devait considérer que j'étais encore en combat ou. Ou vu qu'il y avait un sort de lancer qui était pas tout à fait actif. Enfin bref. Ça rapporte combien les loups? 650. Et mais en fait ça a vraiment été nerfé en fait le farming des X-Vart. J'aurais su, j'aurais pas fait l'update. Enfin le patch, parce que c'est un patch en fait. J'ai vu qu'on pouvait updater le jeu aussi, mais si c'est encore des buffs. Enfin des. Ouais, on va pas aller là-bas. Allez, on va continuer. Parce que mine de rien. On a perdu déjà 20 minutes à explorer cette map, même si on a gagné pas mal d'expérience au final. Et plus que 1000 d'expérience et elle passe, elle. C'est surtout notre héros que j'aimerais. J'aimerais jouer en multijoueur. Je vais demander à des amis s'ils peuvent pas. S'ils auraient le jeu. Des amis qui auraient le jeu. Et. Comme il est rafraîchissant de rencontrer d'autres personnes dans les bois, mon nom est Coran, voleur et archer. Je suis resté trop longtemps seul dans ces étendues sauvages. Je veux bien retourner en ville, mais il me faut encore chercher ma prime. Je partagerai ma récompense avec vous tous si vous m'aidez à gagner du temps. Voulez-vous en savoir plus? Ouais. Bien, cela me fait plaisir de voir que vous avez l'intelligence pour reconnaître la chance quand elle se présente. L'affaire est la suivante. Le bali de Bérégost me paye pour chasser un grand dragon ailé qui attaque les convois. Il m'a offert 2000 pièces d'or pour sa tête avant que vous. Ayez la chair de poule, laissez-moi dissiper vos peurs. La seule description de la bête fait état d'une queue mortellement acérée. D'après
D'après ce que je sais sur les dragons, ils n'ont pas de barbelé sur la queue. C'est une particularité des Wyvern. Bon, je sais pas ce que c'est. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver le nid de Wyvern et de les exterminer. Notre seul problème, c'est qu'ils sont invités des amis à dîner. Alors, qu'en dites-vous, oui ou non? Si je dis ouais, ça fait quoi? Parfait, nous ne devrions pas tarder. Allons nous occuper. Ouais, voilà, je m'en doutais. Il demande à rejoindre notre groupe en fait. Non. On va le laisser là. C'est un voleur. Donc, on a déjà Imoen qui fera parfaitement l'affaire. Ok, on a encore de ces créatures. Non, non, attendez, parce qu'il y en a une qui me gave. Ouais, et puis en plus, elle a plus de. Hop. Allez. Donc on a découvert pratiquement toute la carte. Hein. On va sortir par là. Nord ou ouest? Que nous dit la carte? S'en fout un peu. On verra bien. On sortira un coup à l'est, un coup à l'ouest. Enfin un coup au nord, un coup à l'ouest. Et je n'ai que 5 persos. Qu'est-ce que tu fous, toi? Quelle importance. Pas quelle importance, c'est que sans toi, on peut pas se barrer. C'est fait. Ok, bois manteau continue ici en fait. Bonjour Vadrouilleur, je m'appelle Tibère, pourrais-je vous demander quelques instants? Je serais très reconnaissant si vous me prêtiez l'oreille enfin votre aide. Désolé, mais nous n'avons pas le temps d'écouter les problèmes de tous les voyageurs. Qu'est-ce qui vous tracasse? Merci, vous comprenez bien mon frère, tous les deux, on est allés à bon manteau pour chasser une colonie d'araignées qui infestait les bois. Ça va vous paraître idiot, mais mon frère avait trouvé l'épée fléau d'araignée. Elle a été créée pour tuer les araignées et on pensait devenir célèbres, les héros de Beaumanteau. Tout ça, mais mon frère n'est toujours pas revenu et ça fait plus d'une semaine. Mon avis, je donne pas cher de ton épée. Je vous en supplie, allez le chercher pour moi dans les bois, ça serait un tel coup. Pour ma mère, si Chalec était mort, bah... on trouvera ton frère, t'en fais pas. Il s'appelle Chalec, ouais, mais à mon avis, nous on a déjà du mal à survivre à des kobolds, alors certains d'entre nous ont même du mal à. Il y avait un piège.
matin. Bon, Imolène, elle est morte. On va recharger. Et on va recharger ici. Oui, bien sûr. Bon, une topo, oui, on le connaît. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. Imolène, elle va se mettre en détection des pièges parce que sinon, on va pas s'en sortir. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. Ok. Imolène. Moi, je m'en vais. Détection des pièges, s'il te plaît. Nickel. C'est fait. Ma lame vous coupera en morceaux. Ok, ça sent pas bon. Ok, encore un piège. On se tire de là. Ok. Bon, ça va être vite. Ça va être vite lourd, je veux dire. Allez. Oui, c'est fait. Bon, on est qu'à une demi-heure. On va bien finir par y arriver. Ouais, à chaque fois qu'on va désactiver un piège, on va sauvegarder. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. Allez, hop, on va prendre la quête. Vous êtes une bien étrange personne. Ok, Molène empoisonnée pour changer. Et je pense que sans Imolène, on va pas pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'il nous reproposait un voleur. C'est pour la détection des pièges. C'est fait. Ok, alors Imolène, tu vas aller devant. Détection des pièges. Passons aux choses sérieuses maintenant. Non, non, non. Revenez. Tâche facile. Attirez-les par là. Putain, ils empoisonnent aussi. Je pensais que c'était le piège qu'empoisonnait en fait, non. Je m'affaiblis.
Ok. Bien. Ok, j'ignore ce que c'est que ces créatures, mais c'est balèze. Commence à m'énerver. On va essayer par ailleurs. On va essayer de descendre. On va sauvegarder après chaque étape de toute façon. Bon, là, dès qu'on se tombe sur un piège ou une attaque, on arrêtera. Ok, visiblement pas de piège dans le secteur. Les autres en avance. Pas d'autre piège. On progresse. C'est fait. Moi, je m'en vais. Tire-toi, tire-toi, Imane, tire-toi. D'accord, empoisonné direct. T'as pu empoisonner vite en plus. Hein? Et mon sang? Et pourquoi mon sang n'a pas eu d'effet? Bon, ok. Non, y a pas. Faut que j'aille chercher des antidotes. Faut que j'aille chercher des antidotes, sinon on s'en sortira jamais. Alors, normalement, il y a des antidotes là-bas. J'espère ne pas me tromper. Excusez-moi pour la toux.
Ok, il y a des antidotes. C'est Moline qui va les prendre. Vous savez pourquoi. On va s'en prendre des... beaucoup. On va équiper tout le monde là, de toute façon. On va voir combien on peut en avoir. Ok, elle est chargée à bloc. On va charger Jaira. Ok, et il n'y en a plus. Les élixirs de santé également, je crois. Guérir toutes les maladies. Hop, les élixirs de santé, pareil. Et ça régénère de la vie avec. Donc là, les deux personnages de toute façon qu'il faut surtout pas voir mourir, c'est notre héros et Imoen. Car si on perd Imoen, on peut plus détecter les pièges. Sachant que de toute façon, on les détectera à la bourrin, mais enfin, si on a besoin de les désactiver, même si on tombe dessus une première fois et qu'on doit recharger. Vous avez compris la technique. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? On a un fatigué. Bon. Oui, donc en fait je dis n'importe quoi, en fait c'est pas là, c'est... Alors celui-là va aller, Jaira il peut pas, et toi, Jaira, donc t'en as 5 autres, ça va partir là. Donc 4 à notre héros, 3 à Imoen. Et tout le monde est fatigué. Ok. Ok, on a appris un nouveau sorcier. Je sais pas ce que c'était, mais on l'a appris. Celui-là, on le connaissait déjà. Celui-là, on peut pas l'écrire. Ok, les autres, je les connais. Quoi celui-là? Cécité. Ah, intéressant. D'accord, donc moins 4 à ses jets d'attaque et plus 4 à sa classe d'armure. Donc plus 4, hein, faut comprendre, donc il a une classe d'armure moins forte en fait. Peut être intéressant. Ah, et puis en plus on a un... Ouais, mais on va reprendre un... Non, remarque. Ouais, si, de l'attaque. C'est plus parlant de l'attaque.
peut-être acheter des flèches quand même. Allez. On va acheter des simples flèches. Juste histoire qu'on puisse attaquer à distance parce que. Plus ça coûte que dalle. Et de toute façon on n'a pas de soucis d'argent dans tous les cas. C'est pas des potions de. Ah non non c'est. Oui non c'est pas. C'est pas des potions de. Ah oui, c'est vrai qu'il avait. Ah oui, il avait aussi ça lui. Jaira a pas de potion de soins, c'est pas normal. Bon bah on va lui donner des potions comme ça, tant pis. On va plutôt les choper d'Imolène. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tâche facile. Putain les mecs quoi. Bon, excusez-moi, hein, je parle pas des masses, mais il commence à se faire tard chez moi. D'ailleurs, ce sera le dernier épisode que je tournerai ce soir. J'en ai tourné 3 ou 4 là, résultat. Non, 3, je crois. Non, bah non, c'est ça, 2. Non, 3, oui, c'est parce que oui. J'ai joué 4 heures au total, mais il y a une heure de qui sera en accéléré. Donc ça fait 3 épisodes. Ah!
pas laisser les ennemis, c'est pas possible. Puis elle s'est mise en fuite en plus. Bon, faut attendre que Imolène. C'est comme ça, en plus ça s'arrête plus jamais quoi. Bon. Oui, bien sûr. Si, juste une question con. Bah si, elle a un sort de soin, elle. Excusez-moi. C'est bon. Allez, on y retourne. Petite sauvegarde. Par là on avait vu qu'il se passait rien de spécial. J'ai pas été par là. Ok, c'est assez violent hein, quand même. Bon, ok, ici c'est les falaises. Mais au moins on est fixé. Est-ce qu'ils vont trouver le chemin?
J'adore parce que l'eau là, d'accord, on est d'accord, elle est à plusieurs mètres de profondeur, mais là on a l'impression qu'elle est presque au bord, quoi. Enfin bon. Bon, on a exploré une bonne partie de la carte. De toute façon, là, il faut psychoter à mort, hein, maintenant. Façon, la détection des pièges, on va se la faire en marchant dessus. Et puis c'est tout. Ok. Bon, celles-là elles sont encore assez soft, celles-là. On va faire une halte ici et sauvegarder. Éventuellement faire ça pour essayer de faire passer la pluie. Vas-y, va activer les pièges, toi. Qu'on voyait à peu près où ils sont. Bon, elle est au niveau supérieur, mais elle est morte. Bon. On va attendre que l'autre se calme. De toute façon, tant qu'on peut progresser, on progresse. On verra pour la suite après. Hein. De toute façon, arrivé à un moment, de toute façon, on aura un pouvoir pour ressusciter les morts. Il y aura un de nos personnages. Bon, il me semble que c'est notre héros. Ok. Elle est violente, celle-là. Ça, c'est fait. Bon, on va déjà la passer au niveau supérieur. Ok, alors elle peut prendre. Pas ça, pas ça. Bon, bah, on n'a pas trop le choix en fait. 21 points de. Elle est niveau 4. Why not? De toute façon, en fait, on a tous nos sorties, donc je n'ai pas besoin de dormir. On va partir par là. Ok, nickel. Heureusement que je l'ai fait parce que sinon. Bon. Un piège de désactiver. Comment ça se fait qu'ils ont eu des pouvoirs de téléportation? C'est fait. Ok, puis on a plusieurs passages au niveau supérieur. Jaira, tu vas prendre tout ce qui était à.
Axan. On va baquer. Ça, c'était Axan. Moi, je regarde ce qui était Heimolen. Pas quitte à se faire, je vais m'en servir. Et... Oh, quoi que je sais pas, hein. Non, je vais recharger plutôt. Bon, elle prend vraiment cher, hein. Bon, ok, on est les deux niveaux sup. Et en plus, ils sont violentes, quoi. Ok, on les a eu. Putain, 1400 d'XP! Tu m'étonnes qu'on ait eu des niveaux supérieurs. Bon. Là, les niveaux sup de 36, tu passes à 45. C'est cool. Et Khalid, il passe à 41 points de vie. On n'est pas si mal que ça. Petit healing. On est ensemble pas trop mal. On va sauvegarder juste au cas où on serait poutré la tronche entre deux. Votre réplique exacte en pierre. Une voix accusatrice se fait entendre dans l'obscurité, même si elle a l'air plutôt amusée. Tant de fierté injustifiée, grand prédateur, quand votre être tout entier n'est qu'un emprunt. Savoir être reconnaissant et savoir reconnaître ce qui est dû. Une dague en os s'envole de l'obscurité et s'en va frapper la statue directement. Cette dernière s'effrite un peu. Mais la douleur que vous ressentez est aussi aiguë que si l'on vous écartelait. Vous êtes tel que l'on vous a créé, dit la voix en raillant.
On fait vraiment des rêves chelous, hein? Enfin bon. Une capacité spéciale obtenue, ralentissement du poison. Et t'aurais pas pu me filer ça avant, connard. Bon, putain de jeu. Nord ou sud? Allez, sud. Réussi à la mettre KO. Et si on continue à en buter comme ça, c'est gagné. Oula, attendez, attendez, attendez. Oh. Doucement, garçon, doucement. Juste avant de sauvegarder. Un petit peu. Une moulin est toujours en détection des pièges. Non, tu vas y rester. On va se regarder très très régulièrement. Et à chaque fois on va se reposer pour avoir les sortilèges, évidemment. Et Moulin, je l'avais en permanence en détection des pièges. Ok, donc ça on a fait le tour. Et ben on aura bien découvert la map en fait. Ah putain la vache, désolé, j'ai vachement débordé. Mais en même temps cette map est assez longue. Donc on va juste découvrir encore un petit peu. Ok, attendez, on a une attaque. Et ils sont séparés, c'est pas possible. Ok, là on avait un piège. Et bah écoutez, sur ce, on va se reprendre là la prochaine fois. Je tournerai peut-être demain soir. On sera en week-end pour moi, on sera un samedi, mais j'ai des choses de prévues. Donc je tournerai certainement samedi soir là. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode, si je ne me trompe pas, 12. Voilà. Sur ce, à bientôt. Laissez un petit pouce vert, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me proposer d'autres jeux que je pourrais essayer. Si vous voulez soutenir le... Je vous rappelle que je ne suis pas rémunéré sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez faire un petit geste, n'hésitez pas à passer sur MyLinecraft ainsi que sur le site du serveur qui est mindserve-mdj.fr.nf, d'aller dans la session don si vous voulez me continuer à me soutenir. En tout cas, je vous remercie de me suivre et sur ce, je vous dis à bientôt.